Yo les boys, c'est Zeik et on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale où tout simplement j'ai décidé de mettre les meilleurs joueurs au monde dans le Standard de Liège. Bah voilà, je me suis dit pourquoi pas parce que pour l'instant le Standard de Liège ça va pas trop en Europa League et en championnat. Donc voilà, j'ai voulu mettre du baume au cœur à nos supporters. Pourquoi le Standard de Liège? Parce que tout simplement c'est un petit club pendant FIFA, on va pas se mentir, c'est pas un gros club. Il a 3 étoiles et demie de base. Et bah voilà, je me dis c'est mon équipe de cœur. Et les meilleurs joueurs du monde, je les ai choisis pas en fonction de leurs notes, mais en fonction de mes appréciations à moi. Donc peut-être que mes meilleurs joueurs du monde, pardon, seront pas les vôtres. Et n'hésitez pas à me dire quel est votre 11 de base hein, pour l'équipe type que vous mettriez vous. En tout cas, nous, on va regarder un petit peu tout ça, on va simuler et on va essayer de voir en 10 ans combien de titres va rapporter toute cette équipe. Enfin voilà, on va un peu vérifier tout ça et je pense pas que je serai maître des transferts. Donc du coup, bah, on va voir comment le club gère économiquement tout ça parce que là, une arrivée de 20 joueurs, les meilleurs joueurs du monde, c'est pas mal, franchement. En tout cas, n'hésitez pas donc dans l'espace commentaire à mettre votre équipe type, mettez un pouce bleu si vous aimez bien le projet et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors, à savoir aussi que je tiens ce concept d'un youtubeur que j'apprécie beaucoup et que je regarde beaucoup en ce moment, c'est Foot Experience, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est en description. Allez, let's go pour mon équipe type. Et donc l'équipe type pour moi, bah tout simplement c'est un 4-3-3. Je pense que c'est ce qui marche mieux pour l'instant dans le monde du foot. Et j'ai décidé de commencer avec Neuer. Depuis cette saison, bah voilà, on va pas se mentir, depuis la Champions League, Neuer il a été transformé, allez frérot. Il est énorme, ce gardien il est énorme. Et puis il a une certaine facilité ballon au pied, ce qui est très rare chez un gardien. Et donc bah dans cette défense, j'ai mis une petite surprise. Je pense que du côté de Robertson, bah voilà, je pense que c'est le meilleur latéral gauche à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas beaucoup de rivalité entre guillemets, parce que j'ai l'impression que les défenseurs gauche ils se perdent un peu hein. Marcelo pour l'instant, bah vous le savez, il est un peu en perdition, il joue moins au Real Madrid. Et donc franchement je pense qu'il n'y a pas meilleur que Robertson à l'heure actuelle. Du côté des défenseurs centraux, ben voilà, il n'y a pas de surprise, Van Dijk et Ramos. Pourquoi Van Dijk? Ben parce que tout simplement c'est le meilleur défenseur central à l'heure actuelle. Ramos, je pense que c'est une légende, enfin j'en suis sûr même, c'est une légende. Il a gagné une Coupe du Monde, il a gagné plusieurs Champions League. Pour moi Ramos, c'est le meilleur défenseur central du monde. Il n'y a pas mieux, il est très très malin, malgré ce qu'on en dit. C'est vrai qu'il est un peu vicieux, c'est vrai les amis, mais je pense pas qu'il est aussi vicieux que Pepe par exemple. Voilà, c'est vrai qu'il est vicieux, mais voilà, c'est quand même un défenseur, c'est son rôle, c'est un peu comme Chiellini que j'ai mis sur le banc comme vous le voyez, mais j'en parlerai après. Kimmich, défenseur droit, parce que tout simplement, bah, c'est un ancien défenseur droit, pour l'instant il a été replacé milieu défensif, où il fait le taf, il peut jouer partout ce garçon, il est impressionnant. Alors, dans le milieu, pas vraiment de surprise, du côté de Busquets, c'est le meilleur milieu défensif pour... Peut-être pas à l'heure actuelle, parce que c'est vrai qu'il est un peu lent, etc. Mais c'est un très très grand joueur et une légende du club du Barcelone. Peut-être qu'à l'heure actuelle, je mettrais Casemiro, hein, qui est très très bon dans ce rôle-là aussi. Modric, j'avais pas Kroos. Kroos, j'ai pas pu l'acheter parce que tout simplement j'ai des problèmes dans la liste des transferts. En fait, j'ai fait tout dans le jeu de base, mais j'avais pas Messi par exemple, j'avais pas Kroos. Et avec mon budget, j'ai pas su racheter Kroos et Messi. J'ai dû faire un choix. J'ai pris donc Messi évidemment, qui est le choix primordial. Et Kroos, j'aurais pu le mettre aussi sur l'équipe type. Modric est quand même un milieu central de classe mondiale, hein, même s'il y en a d'autres. On le verra après. De Bruyne, à l'heure actuelle, c'est le meilleur. À son poste, c'est le meilleur. Voilà, ceux qui disent que c'est pas le meilleur, franchement, allez vous acheter des lunettes, les frérots. Y en a pas cher, d'ailleurs, je les ai achetées chez Chris, voilà, petit placement de produit. Non, il a une patte droite exceptionnelle, il peut tirer hors du rectangle, il peut faire des passes extraordinaires. Mais en fait, c'est un milieu central complet parce qu'il est très très bon passeur, mais aussi il est très bon buteur. Donc voilà, c'est pourquoi je l'ai mis dans l'équipe type. Alors évidemment, l'attaque, pas vraiment de surprise, si ce n'est peut-être qu'on aurait peut-être dit Neymar ou Mbappé. Non, j'ai choisi Lewandowski. Pas pour sa saison, mais pour sa grande carrière. Parce que souvent, on oublie aussi que Lewandowski est toujours en bataille avec Cristiano Ronaldo dans les qualifications de Coupe du Monde, les qualifications de Coupe d'Europe, etc. Lewandowski, d'ailleurs, l'a battu lors de la dernière session, il me semble, lorsque c'était les qualifications de Coupe du Monde. Messi, pourquoi Messi, justement? On en vient là. Bah, Messi, tout simplement, c'est le deuxième meilleur joueur du monde. Pourquoi deuxième? Parce que, voilà, c'est mon chouchou, c'est Ronaldo. Après, c'est deux joueurs totalement différents. J'aime même plus les comparer, à force c'est un peu lassant.
Parce qu'en fait, Messi, il a des qualités que Ronaldo n'a pas, et Ronaldo a des qualités que Messi n'a pas. Alors, Ronaldo, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde parce qu'il est plus complet. Donc, il peut faire plus de choses. Et surtout, surtout là où je fais un choix distinct entre les deux joueurs, c'est le mental. Et ouais, le mental, Messi, bah, ça va pas trop en ce moment. Il a eu un meilleur mental dans ses jeunes années. Là, il a 33 ans, il me semble, ou 32. Bah, ça commence à être compliqué mentalement. Il avait peut-être envie de quitter le Barça. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour le Barça. Mais bon, voilà, ils en ont décidé autrement. Bref, Ronaldo, on ne le présente plus. Évidemment, c'est très bon dans tous les domaines. Alors, sur le banc, Neymar, Mbappé. Pourquoi Neymar et Mbappé? Parce que tout simplement, Neymar, malgré qu'on le critique, malgré qu'on aimerait qu'il fasse plus de choses au PSG, c'est quand même, pour moi, un des cadres du PSG. Et dans les quarts de finale et les demi-finales, il a été très très fort. C'est vrai que la finale, il est un peu passé à côté. Alors Mbappé. Mbappé, pourquoi? Parce que c'est la classe internationale. Même si c'est un Français, il y a une petite rivalité franco-belge. Évidemment, je suis belge, mais c'est quand même un des meilleurs joueurs au monde. J'aurais pu le mettre à la place de Lewandowski, mais pour l'instant, Mbappé est un peu moins productif. Alors, du côté de Chiellini, c'est un choix qui va être un peu controversé. Vous allez peut-être me citer d'autres défenseurs centraux comme Varane ou quoi. Vous aurez peut-être raison. Moi, je préfère Chiellini parce que c'est un défenseur intelligent. Et malgré sa lenteur, il arrive à pallier cette lenteur grâce à son intelligence de jeu, son placement, etc. Chiellini est un défenseur, pour moi, un peu sous-coté quand même, parce que c'est un des meilleurs défenseurs du monde. Alors, Casemiro, pourquoi? Parce que lui, c'est le joueur le plus sobre. Dans le sens qu'on ne le voit pas beaucoup sur un terrain, etc. Mais il est primordial au Real Madrid. Sans Casemiro, Zidane ne serait rien. Et c'est d'ailleurs Zidane qui a été le repêché au FC Porto, puisqu'il était prêté donc du Real Madrid au FC Porto. Et Zidane, il s'est dit, mais what the fuck, comment on peut prêter un joueur comme ça? Alors du côté d'Alexander Arnold, défenseur droit exceptionnel aussi. C'est un défenseur droit comme on a l'habitude de voir à l'heure actuelle, très rapide, très vif, qui peut partir en profondeur. Très important pour le noyau de Liverpool, qui est très très rapide, très dynamique. Et forcément, Alexander Arnold rentre parfaitement dans les plans de Klopp. Fernandes, ma petite pépite du moment. Je le mets sur le banc parce que c'est la petite pépite, l'étoile montante de Manchester United. Et c'est un peu la seule étoile montante de Manchester United. Donc j'en profite pour en parler un petit peu de lui. Mais c'est un milieu offensif très complet. Donc il peut un peu tout faire, il peut dribbler, il peut passer. Il peut marquer même si c'est pas un buteur d'exception. Alors du côté du gardien remplaçant, c'est Courtois. Pourquoi le Courtois national? Parce que peut-être au fond, peut-être c'est parce que je suis belge, mais il réalise encore une très belle saison avec le Real Madrid. Il a été beaucoup critiqué, mais je pense que Courtois fait partie des meilleurs gardiens au monde. Il a des réflexes hors normes. Et pourtant, il est énorme, hein. Il est géant dans ses cages, il fait 2 mètres, il fait presque 2 mètres je crois, ouais, 1m99, 1m99 pour les Français. Sur les réservistes, bah, j'ai décidé de mettre Oblak, pareil, hein, Oblak excellent, très très bon réflexe. Hazard, Eden Hazard, bah, que dire d'Eden Hazard, c'est vrai que sa saison est un peu moins fructueuse pour l'instant. Bah voilà, il a eu quelques blessures, quelques pépins physiques, mais je pense qu'il va revenir au plus haut niveau. Benzema, j'aurais pu même le mettre dans l'équipe type. C'est vrai que c'est un excellent joueur, il peut tout faire, etc. Firmino, c'est ma petite surprise, ma petite pépite, parce que je trouve que c'est un attaquant sous-côté. Alors c'est un faux numéro 9, donc ça veut dire qu'il va se positionner en 9 sur le terrain, sur l'échiquier, mais il va faire des déviations, il va jouer en passe, etc. Et c'est très très bon, franchement. Attaquant sous-côté, n'hésitez pas à aller regarder quelques vidéos, c'est vraiment un joueur complet aussi, techniquement, niveau des passes, niveau de la qualité de ses centres et surtout niveau de la finition. Très très complet Firmino, sous-côté selon moi. Alors Sancho, bah voilà, là c'est pas un sous-côté, c'est un jeune, une étoile montante. Mendy parce que c'est une étoile montante aussi, il est en train de prendre la place de Marcelo. Et Marcelo, il faut y aller hein, pour aller prendre sa place. Donc franchement, Mendy très très solide, défensivement, très rapide. Meunier, alors voilà, là on arrive dans mes surprises. Alors mes surprises tout simplement, ce sont des joueurs selon moi qui sont ultra sous-côté. Alors Meunier, pourquoi? Parce que c'est justement un défenseur de notre temps qui monte très très facilement, qui est quand même assez rapide, malgré que FIFA lui a mis 77 de vitesse, je pense qu'il mérite un peu plus. C'est un ancien buteur, ça, pour la petite histoire. En fait, il était buteur avant dans son centre de formation, il a été formé en tant que buteur, et donc il a une certaine adresse devant le but, et il a
beaucoup, beaucoup marqué au PSG. Je n'ai plus exactement ses statistiques, combien de buts il a marqué. Peut-être que je vous les mettrai en dessous si j'y pense au montage. Mais en tout cas, Meunier est un très, très bon joueur. Il est complet. Je voulais prendre absolument un joueur de Leipzig. Et j'ai choisi Nkunku parce que c'est un ancien joueur du PSG que j'étudie beaucoup et qui, pour moi, est très solide aussi. C'est un très, très bon passeur. Il joue avec Julian Nagelsmann. Dans les plans de Julian Nagelsmann, il est très, très important. Et un milieu complet. Voilà. Il peut tout faire. Il peut défendre, il peut passer, il peut marquer. Nkunku, affaire à suivre. Mais pour moi, c'est une étoile montante de Leipzig. Et comme je vous l'ai dit, est très important dans le jeu de Julian Nagelsmann, qui est justement l'entraîneur. Je me suis renommé Julian Nagelsmann parce que pour moi, c'est l'entraîneur en devenir. Il y avait aussi Ansu Fati que j'ai complètement oublié. Ansu Fati, très très bon joueur aussi, très jeune. Voilà, il en faudra plus pour m'impressionner. Mais pour l'instant, en tout cas, il a été excellent au Barcelone. On est là pour simuler 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer pendant 10 ans au Standard de Liège? La suite dans cette vidéo. Alors dites-moi dans l'espace commentaire combien de titres de champion de Belgique on va gagner et combien de championnats d'Europe on va gagner. Tout confondu, Europa League et Champions League. Comme vous le savez, j'ai mis exactement le même groupe d'Europa League que dans lequel on est actuellement. Et on se retrouve donc le 29 juin 2021. Donc première saison terminée. On le voit, sans surprise, on a gagné le championnat, 60 points. Alors il faut savoir que dans notre championnat en Belgique, c'est les 4 premiers qui sont qualifiés pour une sorte de pool et dans lesquels vous allez affronter les 3 autres équipes. Et une fois que vous avez affronté les 3 autres équipes, là on a notre champion de Belgique. On a eu très très belle différence de but là. Là on a géré 4-1 contre Anderlecht, à l'ennemi public numéro 1. Dans la phase régulière, on avait gagné facilement aussi. Parfait. Première saison très très positive au niveau du championnat. Donc ça fait un titre de champion de Belgique. On va aller voir en Coupe de Belgique maintenant. Alors du côté de la Croquis Cup, nous ne sommes pas vainqueurs visiblement. C'est Anderlecht qui gagne contre Moucron. Nous on a fini quantième là. What? On est même pas en quart de finale. Ouais. Ok, éliminé au tir au but contre Zulte Waregem en 8ème de finale. Donc au premier tour en gros, parce qu'il n'y a pas de division de Belges dans FIFA. Alors en Europa League, sans surprise aussi, on s'impose dans les groupes. Premier avec 18 points, on n'a perdu aucun match nul. 16ème de finale, on est où? Standard de Liège en 16ème de finale. Donc il reste 32 équipes, on a battu Grenade au cumulé 6-2. Parfait, 8ème de finale maintenant avec le Standard de Liège. On est... Victoire via l'extérieur. Ok, on est éliminé par Feyenoord. Feyenoord, c'est qui gagne la finale par pas de surprise vraiment. Hein, Liverpool qui gagne la finale. Ok, du coup, on est éliminé en 8ème de finale. C'est pas ouf, hein, parce qu'on a quand même la meilleure équipe du monde et les joueurs vont vieillir. Hein. On voit déjà, il a perdu niveau cote à la Ronaldo. On a quelques joueurs qui ont pris une uppercut dans la face. À Modric aussi, 84. Aïe. L'effectif se vieillit déjà. Ouh là 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 là, alors là ça fait peur un petit peu, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Alors au niveau du championnat, pas vraiment de surprise. Enfin, quoique Neymar et Messi, premier, 28 buts Neymar, 24 buts Messi. Et où est Ronaldo? Ronaldo est seulement 13ème avec 12 buts. Ronaldo, pas de très très belle saison. On va pas se mentir là, Ronaldo, c'est pas ouf. Niveau des classements des passeurs, c'est assez logique. Hein. Fernandez et De Bruyne, les meilleurs passeurs. Neymar, attention, parce qu'il a fait une saison incroyable. Lui, il est à 9 passes décisives plus 28 buts. Niveau invincibilité, on n'a pas le meilleur gardien. Et on voit que l'adjoint préfère au Black. Ouais, parce qu'il a 91 de général dans FIFA, évidemment. Je suppose que c'est pour ça. Alors, niveau des titularisations, Messi a joué 51 matchs. C'est complètement fou, ça. Messi, 51 matchs. Au Black, 51 matchs. 50 matchs pour Kimmich, De Bruyne, Fernandez. Et on voit là qu'il y a un fossé d'écart. Cristiano Ronaldo seulement 33 matchs. Eden Hazard qui a presque pas joué. Ok, 8 matchs pour Eden Hazard, on le voit. Et Gavori a fait un match. Donc Van Ousden aussi. Ansu Fati, Sergio Busquets. Et en dessous, Lestienne, etc. Ça n'a pas bougé. Ok. Donc il y a quand même Gavori et Van Ousden qui ont joué un match pour le Standard de Liège. Meunier a quand même fait 9 matchs. Hein. Je suis assez étonné. Ok, voilà l'adjoint qui a préféré Lewandowski. Il a préféré qui à Ronaldo, alors du coup en BU. Il a joué avec Neymar, Messi
Et avec qui comme BU? Mbappé, ok. Enfin, il a switché entre Mbappé et Cristiano Ronaldo. Mbappé, qui, on le voit, c'est déjà une frappe atomique. Hein, 93 de général. Ça va être très très dur de le détrôner. Ronaldo, je pense que la fin de carrière a sonné pour Cristiano Ronaldo. J'avais oublié aussi de vous montrer. Sur cette première saison, j'ai joué 51 matchs. Enfin, j'en ai simulé 51. J'ai fait 41 victoires, 6 matchs nuls, 4 défaites, 123 buts pour, 39 contre. Ma meilleure victoire, c'est 5-0 contre Penn. Et ma plus lourde défaite, c'est 2-1 contre l'Antwerp. Donc, on voit que. Nous voici au terme de ce deuxième saison. Et comme vous le voyez, encore un titre. Et c'est parfait. On est qualifié pour la Champions League. Par contre, là, Neymar est le meilleur buteur. En dessous, Messi n'est déjà plus là, visiblement. Ok, ok. Niveau des passeurs, maintenant, on va passer à. Ouais, bah, Neymar, encore là. Hein. Il est exceptionnel, hein, Neymar. Niveau des buts, c'est 31 buts pour Neymar. Il est incroyable. 52 apparitions. Il a joué 104 matchs déjà. Enfin, je crois qu'il avait fait 52 matchs la saison dernière. Ok, ok. Waouh, 94 les frérots. Ah, pas mal. Là, on a des bonnes statistiques. On a des très très bonnes statistiques. Et que vois-je? En Champions League, il a marqué 8 buts. Hein. Il y a. Ouh, hein, hey, quoi? Mbappé, 14 buts en Champions League, c'est incroyable. On va aller regarder ça de très près. Je pense qu'on a notre meilleur buteur de la Champions League, les gars. Au niveau des phases de poule, on a encore écrasé tout, comme en Europa League la saison dernière. Sauf qu'en Europa League, on a été éliminé en quart ou en huitième, je sais plus. Donc on va voir ce que ça a donné cette année. En huitième, du côté de la Champions League, donc la plus prestigieuse des coupes, on est qualifié face à Manchester City. 5-3 au cumulé, ok, parfait. On est qualifié en quart, ouh, ça sent bon là les gars. 6-0 au cumulé contre Chelsea. Ouh, ça flaire le. Ouh, le, peut-être le premier titre en Europe pour le Standard de Liège et aussi pour la Belgique. Je pense qu'on n'a jamais gagné Champions League. Le plus gros trophée remporté, c'est par Anderlecht en Europa League. On a gagné contre le Real Madrid. Attention, attention. Les gars, est-ce qu'on va sauter de joie? Est-ce qu'on va sauter de joie pour le Standard de Liège? Peut-être le premier titre en Europe. Oh, ça me démange. J'ai trop envie que ça arrive en vrai. Allez, c'est maintenant. L'histoire s'écrit pour le Standard de Liège. Le Standard de Liège, champion d'Europe, et oui, évidemment, Standard 4-0, les gars, on les a laminés, le Bayern Munich éclaté en finale, éclaté, ils sont éclatés, bah oui, éclatés, c'est trop beau, c'est trop... Et bon, parce que la première saison, ils sont même pas passés les huitièmes de l'Europa League, ils ont fait comme Drake, non à l'Europa League. Et puis ils ont dit oui à la Champions League, de ouf là les gars. Oh là 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 là, la Champions League, première coupe d'Europe du Standard de Liège. Oh j'en choule, oh j'en pleure les gars. J'en choule en belge, oui, en langage wallon, effectivement, c'est pleurer, voilà. Avant de passer à la troisième saison, on va regarder un petit peu quels sont les Standardmen qui jouent. Donc dans le niveau des apparitions, pour l'instant, on n'a pas de Standardmen. On peut voir hein, donc Kevin De Bruyne, 48 matchs. Van Usden, voilà, le premier. What, 38 matchs? Ouais, il a quand même 77 de gêne déjà. Hein. C'est pas mal. Hein. Leifis qui a beaucoup joué aussi cette saison. Ok. Là déjà, ça change. Hein. Là déjà, nos stars interplanétaires, là, elles sont tout doucement en train de vieillir. On voit Benzema, 83 de général. Il a pris une claque dans la gueule. Il a pris une grosse claque dans la gueule. Ah oui, les frérots, là, pour l'instant, Courtois qui ne joue toujours pas. Hein. C'est complètement fou, là. Et Neuer aussi, il a 83 de général. Il a pris une grosse claque aussi. Oh, ouais, ok, Cristiano Ronaldo, Neuer, Messi, Benzema sont les plus vieux de notre équipe à l'heure actuelle. Et pas de surprise, troisième saison, nous sommes encore champions devant Anderlecht, Zulte Waregem et la Gantoise. La hiérarchie s'inverse un petit peu, puisque Zulte Waregem et la Gantoise, on n'a pas l'habitude de les voir aussi haut dans le classement. Anderlecht deuxième. Et ouais, et ouais, et ouais, on est toujours champions. Troisième titre pour nos galactiques du Standard. Allez, on va aller voir le classement des buteurs de ce championnat, justement. Qu'est-ce qui se passe là, les gars? On n'a pas de meilleur buteur. Eden Hazard est 5e, Kevin De Bruyne est 6e. On n'a pas de meilleur buteur. C'est Okereke qui gagne ce classement. Lewandowski 9e. On a beaucoup de joueurs de Standard dans ce top. Neymar, qu'est-ce qu'il nous a fait là cette année? Ok, niveau des passes décisives, on a De Bruyne. Et niveau des invincibilités, Oblak. Ok, ok, on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté de Neymar, etc. Niveau de notre belle Croquis Cup, on est éliminé au premier tour. Ok, bah voilà, la Croquis Cup, je crois qu'on la gagnera jamais, les amis. Et on va aller voir donc la Champions League.
Alors niveau de la Champions League, aucune surprise. Premier du groupe devant Leipzig, Ajax, Amsterdam et Galatasaray. En huitième de finale, qu'est-ce qui va se passer? On est où? Standard. Oh, éliminé. Non, on est qualifié. Victoire 4-3. Tottenham, victoire. Ok, c'est Tottenham qui gagne. C'est mal écrit. Ils mettent victoire 4-3 alors que Standard est à gauche. Mais c'est Tottenham qui se qualifie. Quart de finale, Tottenham, ils ont gagné ou pas? Ouais, ils ont gagné, hein, ils sont demi, hein. Finale. Tottenham, ok. Tottenham vainqueur. Bah, ça, c'est... C'était pas prévu, ça. Tottenham vainqueur et Séville. Alors, niveau de ma saison, en tant qu'entraîneur, 37 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 112 buts pour 43 contre. On voit que c'est pas une saison aussi glorieuse que les autres saisons. Peut-être mon effectif vieillit. Regardez, la deuxième saison était exceptionnelle. Hein. On avait donc remporté la Coupe Continentale. On va regarder ça d'ailleurs. On va pouvoir regarder. Donc, être sacré objectif. Objectif, ok. Non, on avait gagné, pardon, la D1 belge et l'UEFA Champions League, mais rien d'autre. On n'avait pas fait la Super Coupe cette année-là, évidemment. Donc, c'est la première Super Coupe à laquelle on participe. Donc. Malheureusement, pas de victoire. On peut voir qu'on a vendu notre premier joueur, je crois, Bruno Fernandes. On a vendu Robertson. On n'a rien acheté en fait. Je pense que le club peut pas acheter sans moi. Il faut que moi j'achète, je pense. Ah, on a perdu quand même deux gros joueurs là, deux grosses pépitas là. Ouh, ça va être dur de se créer un noyau par rapport à ce qu'on a perdu. Hein. Regardez, ouf, l'équipe type elle est dégueu. Ouh là 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 là, les amis, là on n'a plus beaucoup de joueurs. J'espère que ça va passer pour cette saison, mais ça risque d'être de plus en plus difficile. On va simuler quand même, hein, mais si au pire, si c'est trop dégueulasse la saison prochaine, je vous mettrai que 5 saisons. On fera ça en 5 saisons. Je peux pas acheter parce que sinon ça pourrit un peu le projet. Donc ce que je ferai alors à la limite lors de la saison prochaine, lors de la prochaine vidéo, c'est faire ça avec des jeunes alors du coup. Alors niveau des statistiques, c'est pas ouf, mais je pense qu'on a perdu des joueurs en cours de saison dans le mercato d'hiver. Donc 23 buts pour Kevin De Bruyne et Eden Hazard, 20 buts. Bon voilà, c'est les valeurs sûres, elles sont toujours là. On a vu Mulika qui a marqué 2 buts, what the fuck. Et on va regarder les passeurs, au classement des passeurs, je pense que c'est Eden Hazard qui est premier. Ah non, Kevin De Bruyne, pardon. Et niveau des matchs joués. Ok, on a Van Usden qui devient une valeur sûre de notre noyau. Ça fait plaisir, ça. Ça, c'est un de chez nous, là. Ah, le petit Van Usden, il est de chez nous, les amis. Nkunku qui est là, 30 matchs. Ok. Let's go pour la quatrième saison. Déjà, bah oui, bien sûr. Après 3 titres de champion de Belgique, peut-on renouveler l'exploit? Parce que là, on n'a plus un gros effectif. Là, il va falloir recruter. J'espère que le club peut le faire sans moi. Parce que sinon ça va être compliqué, hein, on va pas se mentir. Et j'ai pas envie de recruter parce que c'est le but du club. Et je crois que j'ai vu, ouais, 581 millions de budget de transfert. Bon les gars, il serait temps d'investir là. Et nous voici à la quatrième saison de ce championnat de Belgique qui est encore gagné. Donc pour l'instant, on a perdu beaucoup de joueurs cette saison, mais on est toujours champion de Belgique. Allez, let's go. On va aller voir les statistiques de ce championnat de Belgique. Si on a marqué... Enfin, combien de buts on a marqué? Ouh! Oh! What the fuck? 36, c'est presque un record. C'est 38 le record du championnat belge, il me semble. C'est Ruin van den Berg qui le détient, il me semble. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si je me trompe. Passe décisive 17, on a roulé sur le championnat belge. Alors, les gars, les statistiques vont être très très belles. On va aller voir la Coupe de Belgique, ce qu'on a fait. Et niveau de la Coupe de Belgique, c'est un tronc victoire. Ok, on est encore éliminé au premier tour, c'est complètement fou. Hein. C'est hallucinant, hein. La Coupe de Belgique, la Croquis Cup, on la respecte R. On respecte R en Croquis Cup, les frérots. Bah oui, c'est comme ça. Allez, let's go, on va aller voir la Champions League. Et puis on ira voir notre effectif, parce que là, il commence à vieillir. On a perdu beaucoup de joueurs. Est-ce que le jeu nous en a racheté, du coup? Ouh là là, on est encore passé donc ces groupes. Et ben, ça fait 4 fois qu'on fait les groupes, une fois en Europa League, 3 fois en Champions League, on les a toujours passés. Ça, c'est déjà positif pour le Standard de Liège. Alors, en 8ème de finale, on se retrouve contre qui? Standard contre Bayern Leverkusen. Ok, finale, tir au but. On a eu chaud, là, on a transpiré du cul. Là, je vous jure, on a transpiré du cul. Quart de finale, ça passe, cumulé 1-0. Ouh là là, c'est peut-être le titre, et c'est Manchester United qui joue contre le Standard de Liège, c'est mes deux équipes préférées. Le titre. S'il vous plaît, le deuxième titre pour le Standard de Liège, c'est maintenant ou jamais. Ah bah non,
Non, faut pas rêver. Effectivement, on a perdu beaucoup trop de joueurs cette saison. Ouais, sans surprise, Kevin De Bruyne, 42 buts, les amis, 96 de général, incroyable, 96, pardon, excusez-moi, 24 pour Lewandowski, 16 pour Eden Hazard, ouf, il vieillit là, Eden Hazard, là, il a pris un gros coup, Amala qui est carrément dans le 11 titulaire, apparemment, ouais, ça commence à vieillir, là, du côté du Standard de Liège, ok, on voit que, niveau des matchs, ça donne quoi niveau des matchs? Ok, 54, ok. Notre équipe type, elle est là. Avec Ferland Mendy, commence à prendre du potentiel. Amala, Lewandowski, Muleka qui a quand même joué quelques matchs là. On le voit, hein, 24 matchs, hein, c'est pas rien. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ça là? Ruffier, what? Ah bah donc du coup, ils peuvent recruter sans moi apparemment, hein, Ruffier. Bon. Oulala, attendez, j'ai oublié de vous montrer quelque chose là, les amis. Hein, c'est la World Cup, hein. La World Cup qui a été gagnée par le Brésil. Troisième place, 5-0 pour la France contre l'Autriche. Ok, nous on est éliminé où là, la Belgique? En 8e, ok, contre l'Australie. Oh, c'est décevant. Et voici le classement de l'Euro 2024. Et oui, Espagne qui gagne contre l'Allemagne, demi-finale. Oh, la Belgique qui est éliminée. Dommage. La Belgique, donc 2-0 perdu. La Suisse qui est éliminée. Ok. Bah, c'est les classiques, hein, à part la Grèce. Il manque peut-être un... Il manque un pays. L'Angleterre, il est où, là? Ils sont pas fait éliminer. Si, dans les groupes, carrément. Carrément, les amis. Oh bah voilà, let's go. Ben voilà, pour l'Euro 2024. Et on va continuer, nous, avec notre petite saison à simuler. Et la cinquième saison qui va peut-être être décisive. Donc on va regarder si on a plus gros effectif. Et effectivement, on n'a pas d'effectif. Donc voilà, là c'est problématique. Je pense que ce sera la dernière saison qu'on fera avec le Standard de Liège. Donc on a la cinquième saison. Est-ce qu'on a gagné le titre de champion de Belgique? Évidemment, bah non. C'est bien Anderlecht qui gagne le premier titre de champion de Belgique depuis 5 ans. Voilà, 5e année, il est temps, je pense, d'en arrêter là. On va regarder les statistiques. Donc Kevin De Bruyne, 27 buts, il a encore été étincelant ce joueur, incroyable. Bah, n'hésitez pas à me proposer d'autres projets sur FIFA 21. C'est pas encore terminé, on va regarder d'abord les statistiques de cette saison. Alors, on est sorti des groupes, mais par chance, hein. 8 points, ok, ça passe. Du côté des 8e de finale, est-ce que ça passe? Ben non, déjà, c'était prévisible, effectivement. On a de très bons joueurs, vous l'avez vu, mais malheureusement, on n'en a pas assez, on n'a pas de banc, etc. Ok. Et finale, oh, Manchester City qui gagne contre Manchester United. Ça, c'est une belle affiche pour une finale de Champions League. Et en Europa League, ça donne quoi? Ah ouais, carrément. Ah non, ça c'est la Super Coupe, pardon. Faut que je trouve l'Europa League. Ah bah on peut pas voir le classement de l'Europa League visiblement. Ah si, voilà. 3-2 Arsenal. Ok, Arsenal qui gagne l'Europa League. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour ces 4 merveilleux titres de champion de Belgique pour le Standard et surtout pour le championnat d'Europe. On a gagné quand même la Champions League. Petit regret, on n'a pas gagné de Coupe de Belgique. La Croquis Cup, la merveilleuse Croquis Cup qui nous a filé entre les doigts. Donc on est parti pour les statistiques. Niveau des matchs joués, Oblak, Alexander Arnold. Ok. Raskin qui est là quand même. Oh, pas mal ça. Ça fait plaisir de voir Raskin. Raskinho. Ruffier, Courtois et Fernandez qui n'ont pas joué. Hein. Courtois, il n'aura jamais joué. De toutes les saisons confondues, je pense qu'il n'a pas joué un seul match. Niveau du classement des buteurs, ça donne quoi? 33 buts pour Kevin De Bruyne, évidemment. Vainqueur, enfin meilleur buteur, soulier d'or de Belgique, ok. À 34 ans. Oh là là, Kevin, il est incroyable. Ok, bah je pense que ça aurait été le meilleur buteur de l'histoire du club, hein, je pense. Enfin, pas de l'histoire, mais de toutes les saisons confondues, puisque Neymar est parti à partir de la deuxième saison. Donc on n'a pas trop suivi, mais depuis, Kevin De Bruyne est forcément tout le temps meilleur buteur. Niveau des classements des passeurs, c'est Nkunku, meilleur passeur, très très bon joueur. Ma petite surprise qui fait une très belle saison. Ok. Bah voilà, c'est assez logique comme résultat. Si ce n'est, bah voilà, l'équipe a vieilli et j'aurais pu faire des transferts, mais c'est pas à moi de le faire, c'était aux bots de le faire. Malheureusement, les bots ne sont pas capables de transférer, ne sont pas capables d'acheter. C'est ça que j'ai pas trop compris, c'est qu'ils sont pas capables d'acheter, mais ils sont capables de vendre. Et encore que Ruffier, il vient d'où? Vous voyez ce que je veux dire? Ruffier, il vient pas d'une autre planète quand même. Peter, ceci, pareil, Ziegler. Fernandez, enfin j'ai pas trop compris
ce que FIFA nous a mijoté. Hein, mais voilà, FIFA, ils font toujours les choses à moitié, on va pas se mentir. Enfin, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pouce bleu, mettez en commentaire le prochain objectif qu'on va se fixer dans FIFA 21. Et moi, je vous dis à dimanche 12h ou à mercredi 14h pour le live Milan. Dimanche, c'est avec le Standard de Liège. C'est en live, les amis. Donc, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Ciao tout le monde.